sinon ça marche bien en ce moment. Bonne journée pour nous, mauvaise pour eux. Bon, ça va, ben là on est lancé. Ah, puis les chaleurs, c'est les fortes chaleurs comme ça, ça... les gens décèdent plus vite. Changement de lune, les fortes chaleurs, changement de lune, surtout les suicides. Ah ouais. Ouais. Canne saturée. Comment canne saturée? Saturée, tous les curés saturés, ils sont pleins d'obsèques. Putain, ça fait que tomber en ce moment. Ben là, ça doit être la preuve que oui, puisque j'ai fait Saint-Charles, j'ai fait toutes faites les églises de Cannes, ils sont tous des enterrements toute la journée, demain, après-demain, ils sont saturés. Saturés. Et je viens d'avoir celui du Canet, il m'a dit j'en suis au 11e d'enterrement, fin d'office, depuis le début de la semaine. Ouais, ça en fait que deux par jour. Non, mais c'est déjà pas mal pour une église, comme il me disait. Ouais. Ça s'est vidé, hein? Ça s'est vidé. Bon, bah, y a plus trop de cercueils, hein? Va falloir en commander. C'est l'hécatombe. L'hécatombe dans les Alpes-Maritimes. Bon, ben, je crois que cette semaine, on a fait un score, hein? Ça va pas trop plaire nos concurrents. Hein. Ouais. Voilà, ce matin, j'étais au télécom, je suis tombé sur un de mes confrères, là, qui a déposé le bilan il y a pas longtemps encore. Hein. Il avait boule parce que il n'arrive pas à faire surface. Hein. Mais là, je pense qu'en objectif, on doit confirmer, on doit avoir toujours la seconde place. Ça fait 4 mois qu'on ne le quitte pas. Ça fait 4 mois qu'on est à la seconde place, c'est pas mal en 10 mois d'exercice. Santé! Santé, bravo, félicitations à tous. Salut, hein, et aux affaires. Cercueil qui arrive. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Ça va bien. Bon, 25, on change demain matin, non? On boulet. Ou on le fait maintenant, hein? C'est un commando, on ouais, décharge. Bon, je rentre alors. Ça va, bon. Quand même, hein. Comme stress. Bonheur. Allez, vas-y, roule, quoi. Oui, t'as descendu une marche, ah, la fulgure. Hein. Oh, Dieu, les grands. J'en peux plus, les grands. Ah ouais, ça, c'est l'homme. Ça, c'est la femme, sa base de vanille. Bon, c'est sympathique. Sympathique. Si on donne pas tout, on les offrira en fin d'année. Non, parce qu'il y a une tradition dans les pompes funèbres, pour en fin d'année, que ce soit nous ou les concurrents, hein, on amène des champagnes, des whiskies, des boîtes de chocolat aux gens des mairies, des cimetières, des cliniques, des maisons de retraite, à la police, curés, enfin tous ceux qui ont travaillé avec nous dans l'année. Et souvent, au 1er mai, on offre du muguet. Par sympathie, bon, voilà. Entre-temps, on fait un petit parfum, une petite idée qui nous sort comme ça. Ça peut être du chocolat, ça peut être n'importe quoi. Ça entretient l'amitié. Ça, on montre que c'est pas un métier triste. Alors, on a mis un peu plus de temps que prévu, mais on est arrivé quand même. Hein. Bien. Ah, ça comprend quoi, ça, là? Tout. Tout, ça y est, le cercueil lui-même. Cercueil, les paniers, la croix, cache-vis, cadre et plaque, tout, tout. Tout, tout. Oui, si, oui, tout, je crois, tout, oui. Si. Oui. Oui. Oui, je crois. Tout. Trop cher, ça. Trop. Oui, ah. Monsieur Leclerc. Il le sait en plus, hein. Il le sait, il ne met pas les prix, et puis en plus, il les met trop cher. Hein. Tiens, tu referas. Celui-là aussi, tu referas. Oh, vieux singe qu'on fera faire la grimace, ça fera, hein. Ça aussi. Hop. Viens. OK. Bon.
Allez, on va faire. Bien. Bon, voilà, voilà. Bon, on fonctionne bien. Vous voulez pas gagner d'argent, c'est ça? Dites-nous-le tout de suite. Hein, si vous voulez gagner d'argent, appliquez à la lettre le concept. Et ça, c'est impératif. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Alors, je vais quand même vous donner les chiffres d'affaires qui sont réalisés par chacun d'entre vous d'abord. Monsieur Benenous, qui n'est pas là encore, est à 333 000. C'est les chiffres d'affaires mensuels. Hein? Monsieur Mouyen. Monsieur Bouchiba, 240 000. Monsieur Bisson, 270 000. Monsieur Chevalier sur Béziers est à 196 000 et il vient d'ouvrir Narbonne. Monsieur Denis, 237 000. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Plus vous faites des prix compétitifs, plus vous avez des bilans positif. En pratiquant le concept à la lettre, on gagne énormément d'argent. Et je n'ai pas honte de le dire, on est dans un pays capitaliste, on est là pour gagner de l'argent. Si on peut en même temps faire profiter les familles d'une manière massive, en pratiquant les prix les plus bas, ben, qu'est-ce qu'on veut de plus? Bien. Alors, pour pouvoir encore développer, donc d'arriver, il faudra arriver cette année aux alentours de 130 000 convois quand même. Hein, 130 000 convois. Ça ne va pas se faire comme ça, d'une baguette magique, et nous devrions atteindre les 45 000 monuments à peu près dans l'année. J'ai mis en place un système, c'est 12 cadeaux. 12 cadeaux sous forme de tickets magnétiques de ce genre. Ces 12 cadeaux vont être offerts aux familles. Donc, la personne elle peut avoir un téléphone gratuit, peut avoir une semaine en thalassothérapie. Enfin, disons qu'il y a des voyages encore sur le Nil. Alors, on m'a dit, si on donne ça aux familles en deuil, ça peut être critiqué. D'abord, sur les deuils que vous avez 70% des deuils où les gens ne viennent pas spécialement en pleurant quand même. Hein? Il y a plusieurs d'entre eux qui viennent tout simplement parce qu'il faut faire une opération funéraire. Mais ils ne sont pas mécontents du tout d'avoir un voyage gratuit. Alors, il est évident qu'il sera difficile de donner des cadeaux de ce genre à une maman qui vient, qui a perdu son bébé, par exemple. Il faut être diplomate, quand même. Hein? Bon, ça va de soi. Mais enfin, pour l'ensemble des autres, et surtout, alors, pour les contrats obsèques, pour la vente des monuments, quand vous aurez donné ce cadeau-là, il ne faut pas ne pas revenir pour prendre un monument. C'est pas possible. Et M. Leclerc, on va bien? Bon, bah, je sais pas, je sais pas. Vos prix, vous les avez mis à M. Leclerc? C'est cela, c'est cela. Oui, fut un temps, oui. Oui, oui, c'est cela. On en parlera. Après, on se casse la figure. Ça tourne chez vous? Ben, pas trop mal, hein. Oui. Pas trop mal, pas trop mal. On se plaint pas, là, on est dans les... Largement, on a même dépassé la moyenne. Hein. Ah, bon, le début de mois était un peu dur à démarrer. De toute façon, là, juin, juillet, tout ça, où c'est des mois creux, tout ça. Ouais, enfin, nous, juin, ça a été, on n'a pas à se plaindre, et juillet est bien parti. Mmh. Hein? Voilà. Bah, je vous rappellerai pour Nice, a toujours décidé à le vendre. Ah, ben, je sais pas, moi, vous m'avez pas fait une offre, hein. Ben, l'offre, l'autre jour, il m'avait parlé de 2 millions de francs. Ben, oui. J'ai failli tousser. Ben, non, c'est ce que j'ai vendu Fréjus, qui faisait pas ce que je fais à Nice. Ah ouais? Et qui n'a pas l'expansion, et qui prendra jamais l'expansion de Nice, Fréjus. Non, mais ça, je vous ai dit, on verra peut-être tout ça à la rentrée. Hein. J'attends d'avoir au moins ce bilan. Non, il y a peut-être des autres choses hein, qu'on peut faire. Hein. Ouais. On peut tout grouper. Hein. Ouais. Trois entreprises à grouper, ça vous fait... Moi, je tourne à 12, 15, 15 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Je sais pas combien vous faites, si vous en faites 5 aussi. Ça fait... Combien? Je sais pas, je dis 5 millions de chiffre d'affaires sur l'année, je sais pas. Ah non, je sais beaucoup plus que ça. Hein. Non, mais en moyenne, hein. Ah oh ben non, moi je tourne à je sais pas dire trop de bêtises, mais au moins 900 000 francs. Non, je devrais tourner à 12, 97, 98, après mon bilan, je devrais tourner au moins 12 millions de francs. Hein. Oui. Facile, hein. Oui. Donc c'est pas si mal que ça. Hein. Puis si on développe un petit peu, un peu de bien cibler les pages jaunes, des gens performants, commencer à visiter un petit peu les maisons de retraite, etc. Bien, comme faire au boulot, hein. Voilà. Voilà, on peut, tout doucement, chaque année, on peut prendre des parts de marché. Oui. Voilà, voilà. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Un coup j'avance, un coup je recule.
C'est dur, hein. C'est dur d'acheter, hein. Le prix que tu veux.